Click. Docteur Click. Moshi Moshi Tokyo. Le tout dans ton centre un tantinet rigide. Allez dire ça au Covenant. Salut les amis, c'est Joe Hazard. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale. Une vidéo cadeau des abonnés. Et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc j'ai reçu deux paquets. Un paquet avec des goodies de la part des petites otaku. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Enfin, le lien est déjà dans la description. Je le mettrai ici au-dessus. Car elles ont une chaîne également et elles font du très très bon boulot, des superbes vidéos, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir ce qu'elles font et de vous y abonner. Et le deuxième paquet nous vient de l'ami, enfin des amis, Rob et Drive et son frère. Donc c'est un paquet qu'il m'avait fait donc pour ma Noël également. Et j'ai pas su aller le chercher. Ils avaient déposé ça chez l'ami Koyou. Et j'ai pas su aller le chercher avant ces derniers jours. Donc voilà, on va découvrir ça ensemble. Avec la petite musique de Vendredi 13 dans le fond, ça pète. Voilà, ben, je pense qu'il y a un petit mot. Yep. Alors, on va ouvrir ça. Ah là là, ça fait toujours plaisir de recevoir des cadeaux. Alors, bonjour Gio, voilà des cadeaux pour ta Noël. On espère que ça te fera plaisir. Prends bien soin de toi et bonne continuation à ta chaîne YouTube, les frères Rob et Drive Noël 2018. Voilà, donc ça, ça fait déjà super plaisir le petit mot. Et je vais le mettre de côté pour le mettre après. Voilà, donc j'ai ouvert ici, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a trois paquets, c'est numéroté. 1, 2, l'enveloppe, ça là, et 3. Donc voilà, les paquets sont numérotés. Je vais les ouvrir dans l'ordre alors. J'ai une chatte dans la gorge. Bon, on va découvrir ça. Yep. Qu'est-ce donc? Ah, petit indice. Je pense que ça doit être un jeu Wii. Yep. Excellent. Le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 sur Wii. Je ne l'avais pas et franchement, c'est super. Je le possède sur PlayStation 2, mais en Wii, j'en avais encore aucun des BZ. Donc ça fait super, super plaisir. Yep. En plus, il est complet. Ah, bonjour Olaf. C'est pas à bouffer, hein, Olaf. Et Olaf regarde toujours si quelquefois vous auriez envoyé quelques croquettes. Donc complet avec le manuel. Ça, c'est excellent. Et il y a même le manuel à la gnoule. Yep. Voili voilou. Donc ça fait déjà super plaisir. Alors ici, qu'est-ce donc? Le boîtier est un petit peu plus fin. Excellent. Oh purée. Génial. C'est vrai que vous m'en aviez parlé il y a un moment et avec ma mémoire de poisson rouge malade, j'y pensais plus. Excellent. En plus j'avais le steelbook. J'avais acheté ou j'avais reçu le steelbook, je ne sais plus. Et non, je crois que je l'avais reçu. Et j'avais pas le jeu. Donc ça fait super super plaisir de le recevoir. G-Star Victory versus Steel. Le rêve ultime pour les fans de manga et d'anime.
plus de 50 personnages venant de 32 séries. Lancez-vous dans l'aventure avec vos héros et combattez avec vos amis en mode local ou en ligne. Un mode arcade exclusif. Waouh, excellent. Excellent, excellent. Avec le petit truc Namco Bandai. Franchement, génial, génial. Encore un jeu en plus dans votre petite collection qui s'agrandit, PlayStation 4, ce que vous voyez ici. Enfin, j'en ai encore là-bas sur le côté, j'en ai encore là que je dois faire les vidéos. On les voit ici, voilà. Ici, tic, 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 tic. Génial, ça, ça fait super, super plaisir également. Et le troisième, là, le format de boîtier, ça me fait penser à quelque chose. Et il me semble que vous m'en aviez parlé également. On va voir si c'est bien ça. En tout cas, c'est bien protégé, hein. Excellent. Génial. Un petit jeu Dreamcast en plus pour la collection. Le Buggy Hit. Je l'avais reçu ici, il est ouvert. Je l'avais reçu également, il est ici quelque part, de l'ami Sagat Afrika qui me l'avait offert en blister. Donc je vais pouvoir le laisser sous blister celui-là. Il m'avait offert 4 jeux sous blister, donc je vais pouvoir les laisser sous blister et enfin jouer à celui-ci. Je me rappelle à la fois où la Dreamcast, l'année où la Dreamcast sortait, j'avais été à un petit salon à Bruxelles et il y avait un petit stand Dreamcast Sega là, avec des jolies demoiselles qui présentaient les jeux même. J'avais été avec des amis et mon frère et il y avait plusieurs Born Dreamcast, il y avait ce jeu là qui était en version démo jouable et franchement j'avais adoré. Yop. Voili voilou. Ça fait super plaisir également. Yop, avec le manual. Donc encore un petit jeu en plus dans ma collection Dreamcast. C'est vrai que Dreamcast, j'aimerais bien faire le full set PAL au moins. Ainsi que Mega CD 32X, mais 32X c'est hyper cher parce que certains jeux coûtent la peau des fesses, la peau des roupettes. Dreamcast, ouais ça va, il y a des jeux qui sont assez chers également, mais je pense que c'est encore, c'est pas aussi exagéré qu'en 32X. Et Mega CD, là aussi ça commence à un certain titre à côté malheureusement. Mais bon, quand je rentre du PAL en Dreamcast, franchement ça fait super plaisir. En tout cas, un grand merci à vous deux pour ce superbe cadeau. 3 jeux géniaux. C'est excellent, franchement. Je vous fais plein de bisous, c'est génial. Et je vais mettre le petit mot. Yop. Pour pas le perdre dans la boîte du jeu PS4. Yop. Voilà, voilà. Yop. Et on va découvrir les petits goodies que les petites otaku m'ont ramené d'Angleterre, il me semble, d'Angleterre ou d'Allemagne, je sais plus où elles avaient été. Donc on va voir ça. Donc j'ai déjà découpé le papier collant et il y a des petites choses sympas et un petit mot également. Il y a 2 trucs sympas, 2 petits mots. Voilà quelques goodies de la Gamescom 2018, donc c'était en Allemagne. Simplement pour te dire merci de ta présence et de ton humour. Ah ben c'est gentil et je vous retourne le compliment. Et encore un grand merci aussi pour le petit montage que vous m'aviez fait à l'époque, c'était super sympa. Faudrait une fois qu'on refasse un truc comme ça. C'est excellent. Nous avons posé nos bouches sur la... La vue est là, attention, c'est collector, tu as notre ADN. Excellent. Fuch, arigato, les petites otaku, Misa et Nessa. Ah là là, j'en ai des larmes aux yeux, petit dessin là. C'est trop excellent.
Donc voilà, j'ai votre ADN. Donc je vais garder le petit mot. Et ici, petit souvenir de Cologne, photo exclusive à seul exemplaire au monde. Smack. Alors. Excellent. Avec... avec un pote. Génial. C'est super, franchement. Donc je vous invite également à aller voir leur petite chaîne. Dommage, la Mirobe Drive n'a plus de chaîne, donc sinon ça aurait été chouette. Ah ouais, donc c'est là-dessus que c'est là-dessus qu'il y a l'ADN. Ah bah ça je vais le garder, ça fera partie de la Games Room. Je le mettrai quelque part, faut une fois que je remette en ordre aussi tout ça. Alors, un petit poster Final Fantasy, Brass Exvius, super joli. Et de l'autre côté aussi, franchement il est super sympa. Très joli. Yep. Magnifique, c'est dommage, il est beau des deux côtés. Mais bon, si un jour j'achète un cadre pour le mettre dedans, de temps en temps je sais le retourner. Donc en attendant, je pense... Ah bah ouais, tiens, ça me fait penser que j'ai encore un autre truc à vous montrer. Je le mettrai dans un emballage. Youp, il est ici. Un autre cadeau que j'ai reçu, que je vais vous montrer également après. Ah bah oui, bah, je vais en profiter aussi pour les autres cadeaux. Ah, c'est magnétique, excellent. Un petit magnet E-Lance. Ça ira sur le frigo. Yep. Et un petit batch anti-graviator, excellent et joli. Ça ira sur une de mes trucs métalliques là aussi. Alors on a des serviettes Fallout 4. Ah ben ça, elles resteront emballées parce que ça aussi c'est collector. Super joli, avec un beau bleu qui fait penser à la PlayStation, à la Sega aussi. Un petit autocollant Xbox Game Pass. Et un joli sac Omen by HP PlayerUnknown's Battlegrounds. Là, grâce à ça, vous pouvez voir mon anglais très péruvien. Super joli sac, ah ben, je pourrais m'en servir de temps en temps pour aller faire mes courses au Colruyt. Yep. Très joli également. Que je vais le mettre. Yep. Et des autocollants Fallout. Voilà, voilà. Donc un grand merci les petites otaku pour tous ces petits goodies. Pour un truc qui... Non, ça c'est un machin. Donc je pensais que c'était des chaussures pointure 39. C'est pas la jump pointure 39. Je me dis mince, je serais pas la mettre, c'est dommage, mais ça va. Vous êtes bien rattrapé. Voilà, voilà. Ben, l'enveloppe, je vais la garder aussi. Je vais ranger tout ça après. Pas perdre le petit autocollant. Ça roule dommage. Comme on dit. Et ça ira dans le truc que je vais vous présenter maintenant. Puisqu'on fait une vidéo cadeau, autant tout montrer dans la même vidéo. Pom pom pom. Yep. 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 Je vais vous montrer les cadeaux de l'ami Sagat Afrika. Parce qu'ils sont... Ça fait super plaisir aussi. Bon, il m'avait pas mis dans une boîte parce qu'il me les a offert quand j'étais chez lui. Donc le premier ici, c'est un double 33 tours que je ne connaissais pas franchement, et ça raconte l'histoire en fait du film Ben-Hur. Donc excellent, je ne connaissais pas ce style de vinyle où on raconte l'histoire. Donc c'est sur deux 33 tours. Et on... Il y a également Mozart à la flûte enchantée.
Robinson Crusoe, donc Ben Hur et Les Misérables. Ça aussi, ça doit être super agréable à écouter. Histoire des Misérables, d'après le roman de Victor Hugo. Donc voilà, Ben Hur, super content d'avoir dans ma petite collecte de vinyle. Il m'a également offert dernièrement, parce que je l'avais saoulé auparavant, bon c'est une petite histoire entre nous, et il m'a offert ici donc le Dissidia Final Fantasy Dissidia. Je devrais plus faire de vidéo après avoir dîné et bu une bière. Donc Final Fantasy Dissidia en édition Steelbook. Donc franchement, excellent également. Moi qui adore les Steelbooks, c'est génialissime. En plus, il est super joli. Si j'arrive à le sortir du fourreau. Regardez-moi ça. C'est de toute beauté. Magnifique, hein, franchement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Il est sublime. Christina Cordula serait là, elle dirait magnifique, ma chérie. Avec le nom sur la tranche. Pas de l'art. Yep. Et je vais vous montrer. Yep. L'intérieur. Magnifique également. Donc ça m'a fait super plaisir. En plus de la bonne soirée que j'ai passée avec lui sur des petits jeux de versus. Je lui ai mis la pâtée totale sur Street Fighter 5. Il a rien compris. J'ai rien compris. J'ai pas gagné un match, je pense, sur Street Fighter 5. Non, même pas un seul round. Mais sur des autres jeux, ça va. Je me suis bien défendu. Et alors... un autre petit lot de jeux qu'il m'a offert également il y a déjà un petit moment. Que je possède déjà en version où j'ai joué avec. La version que j'ai toujours d'époque. Donc le Soul Calibur. Mais super content de l'avoir sous blister. Il y en a qui vont dire que ça sert à rien d'avoir un jeu sous blister. Et patati, patata. C'est vrai. C'est vrai. Mais quand on en a, on est content. Et quand c'est un cadeau, c'est encore mieux. Et là, franchement, c'est un jeu excellent. Sous blister, ça fait plaisir. Alors un deuxième jeu qui m'a offert sous blister, c'est le Sega Rally 2 Championship, donc que j'ai également d'époque. Magnifique également, avec l'étiquette de l'époque, 299 francs français, donc 299 francs, attention. Et c'est une étiquette qui vient de je ne sais pas quel magasin. Il y en a certainement parmi vous qui vont reconnaître. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors le troisième jeu sous blister, et celui-ci, je lui avais dit, il faudra que je le déblisse parce que j'ai envie d'y jouer, comme je ne l'ai pas dans ma collection. Et bien maintenant, grâce à Robert Drive et son frère, je vais pouvoir avoir une version pour y jouer. Génial. Et alors cette version-ci qui restera sous blister et qui est toute jolie. Dans son blister d'origine. Donc le Buggy Hit. Là, ça fait super plaisir. Je ne vais pas vous lire le petit speech. D'ailleurs, il y en a qui vont bien se marrer si je le fais, parce que je me rappelle d'une petite, d'un petit dialogue dans lors d'un live qui n'existe plus, les traces ont été effacées. Voilà, alors, je vais pas lire trop de trucs écrits en petit, je vais encore mettre 2 heures, c'est pas le but. Et alors celui-ci, il restera sous blister, sauf si vraiment j'ai envie d'y jouer un jour, ou si je le retrouve en occasion ou quoi, pour en avoir une version... pour y jouer et garder celui-ci sous blister. Je ne l'ai jamais eu à l'époque non plus. Il s'agit donc de Mechanix. Je vais pas savoir vous lire le petit speech parce que il est un peu caché, donc voilà, j'ai pas envie d'essayer d'arracher machin Micromania parce que après ça va peut-être faire tout moche. Donc là, ça vient de Micromania. Ils avaient l'allure de mettre les autocollants là où il faut pas. J'aurais pu le mettre, je sais pas, ici. Hein, ou sur là. Mais bon, là, à l'endroit où on doit lire. Ou le mettre un peu plus bas pour laisser le français accessible. Hein, Micromania. Voilà, voilà. Et j'allais oublier. Donc un petit cadeau de l'ami Jonathan Schmitt de la page Les Déjantés du Gaming.
J'espère que je vais pas faire une bourre en l'ouvrant. Ah non, il y a un capuchon. Je me dis, je vais pas aller tailler dans l'art, dans le poster. Donc en fait, ce cadeau-ci, il le faisait... Bon, n'y voyait rien de sexuel. Ce cadeau-ci, il le faisait... il avait fait un truc pour ceux qui étaient le plus actifs sur son groupe, sa page. Et j'étais... je faisais partie des 10. Donc j'ai pu choisir un petit lot. Et alors, ben voilà, j'ai choisi ça parce que vous allez comprendre tout de suite. Il y avait des pins PlayStation, d'autres goodies également. C'est un truc pour s'arracher les doigts. C'est un piège que tu m'as envoyé. On va y arriver. Si j'y pense, je mettrai en accéléré. C'est pas sage. Si t'as été fou, t'as piro dessus. Ah, pas du tout. Je rigole. Et ça me fait penser à un autre truc. Je n'en dirai pas plus. Nom de Dieu. Je suis attaqué de l'autre côté. Ah voilà. Voilà. Je mettrai l'autre dedans également pour pas l'abîmer. Donc voilà. Magnifique poster. Là, ça, il faudra absolument aussi que j'achète un câble pour le mettre dedans. De Sonic Mania. Et l'autre côté, Team Sonic Racing. On vous laisse voir comme ça. Magnifique également. Yep. Donc un grand merci à toi aussi, Jo. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à aller voir également sa chaîne YouTube qui est dans la description de la vidéo et dans... Je la mettrai ici. Donc, voilou. Que j'ai foutu à le boîte là, je vais me mettre ici aussi pour pas l'abîmer parce que ça m'embêterait de l'abîmer alors que ce sont de super jolis posters. Ouais, aussi Jason Voorhees. Non. Et voilà, tout est en sécurité. Donc voilà, désolé pour le petit long moment pour le déballage ici du sextoy, du poster avec le petit carton Fan Club PlayStation. Ça aussi, je vais le garder, je vais le mettre dans la boîte avec les trucs des petits otaku. Yop. Ça fait toujours plaisir, tous ces petits gadgets là, franchement. J'ai encore été très gâté avec les petits goodies, les posters, les jeux. Franchement, un grand merci et plein de bisous à vous tous et toutes. Donc, l'ami Sagat, les petits otaku. Et Robert Drive et son frère. Et un grand merci également à Koyou qui a servi un peu d'intermédiaire, qui a été me chercher certains trucs aussi que je vous montrerai aussi par après parce que donc j'ai acheté aussi quelques jeux à Robert Drive et son frère. À Neo Retro World aussi au magasin. Donc un grand merci également à l'ami Koyou. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu les amis en tout cas. Moi, ça m'a fait super plaisir, ces petits cadeaux et tout, c'est franchement génial. Merci. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie de l'avoir regardé.
N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter, partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao. Bisous.